Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément SmackDown édition spéciale pronostic pour WrestleMania. <laughs> on, est dans, bah on est dans le prolongement du supplément SmackDown que vous avez peut-être bah, déjà regardé au moment où, où cet épisode sera, euh, sera publié. Et donc, nous allons eh bien, vous exposer nos pronostics dans un format bah, cette année euh, un petit peu particulier. Je dis cette année puisque. Euh, nous avons décidé de euh, bah, de lancer un petit concours inter euh, inter équipe inter show. Euh euh, nommé nommé pour le moment le ultimate betting championship hein, bon, euh, tous les crédits vont à Hank euh, là-dessus <laughs> les crédits et, euh, je ne sais pas, mais <laughs> voilà les crédits je ne sais pas. et donc euh, eh bien écoutez ce seront les équipes de Catch up Raw et euh, l'équipe du supplément euh, qui s'affronteront sur chaque pay per view euh, interbrand hein, vous avez, bon il y, y en a il y en a plus beaucoup maintenant mais euh, donc sur chaque pay per view qui mêleront les deux rosters nous donnerons chacun notre tour euh, nos pronostics et euh, si j'ai bien compris, euh, nous serons euh, euh, bah, du coup euh, sous le coup d'un gage en cas de défaite. Hein, euh, donc euh, ouais, donc oui. à suivre, euh, vous aurez déjà probablement vu euh, les pronostics de, de nos amis de Raw qui sont représentés par Hank, par, par l'amiral Armbar et, et par euh, Raphaël. Et bah, nous, au supplément, nous avons bah, bien évidemment IRM, hein, notre, notre euh, présentateur résident. Ah, je ne pouvais pas être ailleurs que dans la team non, SmackDown. Évidemment, donc moi-même et. Un absent aujourd'hui qui n'a pas pu se libérer, mais qui est bien évidemment l'éminent, le sage, l'omniscient du catch ringside. Ah, C'est là où donc, ils ont fait une erreur, hein. nous, oui, nous laisser ringside. Exactement, ils ont fait une erreur. Monsieur Culture Catch. Monumental puisque. Monumental bah, parce, erreur. Je pense que nous avons les trois meilleurs pronostiqueurs euh, bah, du, de, de l'équipe là ah, réunis. Les, les, faits là, hein. les faits sont là, les faits sont là. Donc euh, donc. Ça va être, ça va être, ça va être compliqué pour eux. On va essayer de ne pas y aller trop fort sur ce premier épisode. Et ben, on, je te propose, Yarem, on va commencer tout de suite parce qu'on a quand même 13 matchs, euh, 13 matchs sur cette carte. Déroule. Et ce sera euh, une bonne occasion pour nos auditeurs bah, de se remettre en tête cette, cette carte. Euh, donc bah, on va commencer avec le pré-show. Et le pré-show, c'est le titre féminin de SmackDown dans un six-pack challenge. Alexa Bliss, la championne contre Becky Lynch, contre Natalia, contre Mickey James, contre Carmela. Et contre Naomi, la petite arrivée, euh, la dernière arrivée dans cette affiche. Euh, donc, Yerem, euh, bah, euh, ton pronostic bah, Ça me fait chier, mais Naomi. Naomi, euh, Naomi pour Yerem, et eh bien, ben, euh, eh c'est Naomi pour, euh, pour moi aussi. C'est Naomi pour moi aussi. Ce serait trop beau hein, de l'avoir fait revenir. Euh, pas pour Faut une fois. Faut chauffer victoire. le public. Faut chauffer exactement, le public. Le exactement. C'est le C'est à Orlando. Euh, et nous avons euh, les, les pronostics de, de Ringside qui. Vote également pour Naomi, donc c'est un, un triplé pour Naomi de notre côté. On enchaîne, euh, on enchaîne avec euh, bah du coup la ceinture cruiserweight euh, Neville, Neville qui est le champion qui va défendre contre Austin Aries, Austin Harris qui va donc faire son premier, euh, sa première euh, vraie apparition en pay-per-view à la WWE. Irem, euh, ton, ton, ton pronostic sur ce match Eh ben il y, y aura deux rois qui vont tomber ce soir et le premier ce sera Neville. Euh, voilà qui est tombé un... sous le coup de, de Austin Harris ok euh, ben moi je vois euh, je vois personnellement Neville conserver son titre euh, donc bon premier, euh, premier petit désaccord mais un match euh, qui est pas si, pas si évident que ça à pronostiquer je pense premier désaccord mais euh, on, nous, euh... on se garantit au moins un point euh, sur deux <laughs> c'est ça la stratégie et, ouais, euh, et sachant que Ringside a également pronostiqué Austin Harris ouais, mais là je pense aveugler euh... On un euh, son parce que amour, mon amour pour l'être euh, pour l'homme oui, <laughs> voilà, le plus intéressant du monde, si j'ai bien compris, euh, <laughs> son, son gimmick. Euh, donc 2-1 deux, euh, deux, pour Austin Harris euh, à SmackDown, manifestement. Euh, on continue, et le dernier match du kick-off, ce sera la Bataille Royale, André The Giant. Euh, donc Bataille Royale je vous épargne les 30 participants mais sachez que donc, 30 participants tout rond ont été annoncés, ce qui exclut a priori des, des catcheurs, euh, des ajouts de dernière minute, nous avons euh, dans ce, à peu près toute la division tag team de, bah, toute la division tag team de SmackDown c'est pas à peu près et euh, du côté de Raw on a euh, toute la division euh, masculine individuelle euh, de Jobber donc c'est euh, <laughs> Curtis Axel du beau du Mark Henry du, du, etc etc et Big Show et Braun Strowman évidemment qui font figure de bah de, de grands favoris. Euh, et d'ailleurs, bah, écoute, Irène, ton. Alors, écoute, euh, est-ce que d'un point de vue stratégique, est-ce que tu pourrais me donner le pronostic de Ringside, s'il te plaît euh, Bien sûr, bien sûr, je vais te donner le pronostic de Ringside. Euh, le pronostic de Ringside qui est sammy zane, euh, ah. puisqu'il euh, il voit sammy zane en hommage à, à Mick Foley, hein, parce qu'on sait que sammy zane est en croisade en ce moment à Raw pour, pour redorer. C'est vrai, euh, c'est euh, intéressant, très, très intéressant, choix intéressant. Une théorie, une théorie, Et du coup, ouais. toi, Giscard. Est-ce que je joue vraiment stratégique là C'est pour l'équipe, <laughs> hein. c'est pour le bien de l'équipe. Euh, euh, moi je ne, je ne vois pas euh, autre chose que Braun Strowman sur ce match hein, qui est, euh, qui est le, le monstre à abattre. Et euh, je pense qu'il va, il va frapper un grand coup ce dimanche. Bah écoute, euh, en temps normal j'aurais voté également Braun Strowman, mais là je vais voter pour Big Show suite à cette histoire là de, de, de match annulé avec sachant Shaquille que... O'Neal. En sachant Big que Big Show l'a déjà gagné, hein. Je Attention. sais, il l'a déjà gagné. Euh, et par contre, il y a des rumeurs aussi comme quoi c'est peut-être son dernier WrestleMania. Euh, il n'a pas eu son match là Shaquille O'Neal. Il s'est donné à fond là à la salle de gym. C'est c'est vrai, c'est vrai. Peut-être la voilà. forme de sa ville. Hein. Donc je vois bah, Big Show sans trop y croire, mais bon, Voilà, au moins a... c'est varié. C'est noté, c'est noté. Euh, et bien du coup, euh, nous avons trois vainqueurs différents hein, chez nous. Euh, Sami Zayn, Big Show et Braun Strowman. Euh, on commence avec la carte principale, et donc sur la carte principale, on va commencer avec Luc Gallows et Karl Anderson, les champions par équipe de Raw, qui vont affronter la team soft Enzo Amore, Big Cass et... Chimus et Cesaro dans un triple threat ladder match, ladder match stipulation ajoutée euh, en dernière minute à Raw ce lundi. Euh, donc euh, le pronostic de Ringside on va commencer avec, euh, avec ce pronostic et qui lui voit euh, Chimus et Cesaro avec en bonus une grave blessure pour Enzo Amore. <laughs> Alors je ne cautionne pas ces propos absolument scandaleux. Évidemment je ne souhaite. cest veux dire le tu mal, ne commotionnes pas je ne commotionne pas ces scandaleux scandaleuses. Je, je ne souhaite évidemment du mal à personne mais après je ne suis pas contre une petite, une petite pause de Enzo Amore en effet moi aussi mais bon voilà donc Chimus et Césaro pour Ringside euh, ouais. c'est intéressant moi je vais euh, parier sur les îles qui vont conserver euh, ouais, Qui vont conserver, euh, euh, voilà, en montant euh, à l'échelle tranquillement, ils vont aller tranquillement chercher cette ceinture. <laughs> euh, écoute, moi sur ce match, je suis très emmerdé parce que euh, j'avais initialement pronostiqué depuis euh, l'annonce du match euh, la victoire des Heels. Et cet ajout de dernière minute sur de la stipulation euh, des échelles. Ouais. Moi, moi, il y, y a un côté. Euh, les échelles à Mania, c'est euh, c'est un peu la victoire triomphale, tu vois. C'est ça, ça donne. Euh, face, donc. Ouais, ouais c'est propice à voir un face. C'est des Agriiders. Hein. Voilà, exactement les Agriiders. Les, les Daniel, Daniel Bryan. Et Merde. coup du coup, je suis un peu emmerdé. Coup, avec ça Du, du coup, c'est des Enzo Amore, quoi. Et du coup, c'est du Enzo Amore pour moi. Et, euh, ouais, et, du ouais. coup, je, et du coup, je vais voter pour euh, la Team Soft, euh, un peu à contre-coeur euh, Mais bon, ouais, je ouais. vais voter pour la Team Soft. Je pense qu'effectivement, ton analyse est bonne. Je vais garder quand même mon prono. Euh, bah, du coup, on a encore... Euh... On a encore trois vainqueurs différents. On a ouais. du mal à se mettre d'accord. Ouais. ouais. Bon, on joue le point. On joue le point. Euh... joue le point. <laughs> on joue le point. C'est ça, exactement. On continue, on monte un petit peu dans la carte et on arrive au titre intercontinental détenu par le Lunatic Fringe Dean Ambrose qui va se fader l'homme qui l'a écrasé sous un chariot élévateur, Baron Corbin, le Baron, euh, dans, un match, dans un match qui euh, n'enflamme bon, pas les foules de prime abord mais qui, nous, en tant que résident SmackDown, nous, euh, nous plaît tout particulièrement pour voir le, bah, le premier match en solo du Baron Corbin à WrestleMania, ce qui est quand même pas rien. Euh, et du coup. Pour ce pronostic, euh, Ringside nous a déclaré euh, que le baron, le baron, le Baron, allait commencer sa winning streak à Wrestlemania ah, tel oui. l'Undertaker. Donc, il voit, il voit déjà loin, mais en tout cas, il pronostique une victoire de Baron Corbin. Et je dois avouer que moi, personnellement, je vais le suivre sur ce pronostic. Écoute, bah, je vais vous suivre en sachant que j'aimerais corriger Ringside. Le baron a évidemment déjà commencé sa winning streak dès l'année dernière puisqu'il avait gagné justement la bataille ah, royale. Royal. Donc, euh, pour moi, c'est la winning streak continue de plus belle avec un beau titre, et la belle ceinture blanche autour des hanches du, beau, du beau baron. C'est l'esprit, c'est l'esprit, exactement. Donc, tout bah, 0 pour le baron ce dimanche alors, Olé. ça veut dire. Olé. Olé. Trois points garantis. Trois points garantis pour la Team SmackDown. Ça me semble évident. On continue, on monte dans la carte et on arrive à John Cena et Nikki Bella qui vont affronter de Hit Couple, ou plutôt The hit Couple, comme dirait John. Le mise et Maryse dans un match mixte tag team. Le pronostic de notre ami Ringside... Euh, je le cherche, je le cherche. Où est-ce qu'il m'a mis ça Il m'a dit, il m'a dit quoi Il m'a dit Big John et sa douce pour faire plaisir à Giscal, C'est gentil, c'est gentil ringside. Euh, <laughs> en effet, ça me fait très plaisir. Et pour moi, ça ne fait aucun doute. John Cena et Nikki Bella vont rabattre aussi euh, le caquet euh, de ces infâmes détracteurs que sont euh, le Miz et Maryse. Euh, donc euh, deux points pour eux. Tu sais ce qui serait vraiment étrange, enfin euh, étrange, ce qui serait malin, c'est de les faire perdre, mais que John Cena fasse sa demande à Nicky. Pourquoi Bah ils ont perdu, mais c'est pas grave. C'est pas grave Nikki parce que ce Leur soir amour te... est plus fort. L'amour que... est plus que... fort que euh, WrestleMania. Non, ça... non, non, John ah, Cena, hein, John Cena, je vote pour John <laughs> Cena et, et Nikki Bella, évidemment. S'il mais... te plaît, s'il te plaît. C'est je... plutôt ça qu'on devrait pronostiquer, est-ce qu'il va lui faire sa demande en mariage? Oui, on devrait plutôt pronostiquer ça, mais c'est vrai que c'est la grande rumeur. Euh, Est-ce que ça va arriver Ce serait beau. Euh, ce, serait, ce serait un beau moment. Moi, moi j'irai probablement de ma larme hein, sur, sur ce moment-là, je ne vous le cache pas. Hein. <laughs> c'est à ce moment-là que je consolerai Giscal sur mon épaule. Une tape sur mon épaule comme ça, oui. euh, et sur, sur, sur mon armbands de, de John Cena. <rire> <là>. <rire> bon, alors du coup, si je comprends bien, ça fait trois points pour, euh, pour le, plus beau, oui. le plus beau couple de la WWE. Euh, parfait. Du coup, la carte, on continue. Et on arrive au titre pour les, euh, le titre United States Championship, titre des états unis euh, Le titre des états unis qui va opposer deux Canadiens à WrestleMania, puisque c'est Chris Jericho, le champion, qui va affronter son ex meilleur ami, euh, désormais euh, première entrée sur sa liste, Kevin Owens, euh, dans un match qui, euh, qui devrait... Euh être le gage, le, la, la garantie technique hein, de, de ce Wrestlemania euh, donc Chris Jericho contre Kevin Owens nous avons un pronostic de Ringside qui annonce une victoire de Kevin Owens dans le show-stealer de la soirée Irem, euh, hmm. que, que penses-tu de, ah. penses de ce match des show-stealer, euh, je ne sais pas, oui possible par contre, ouais, Kevin Owens euh, gagnant euh, Chris Jericho est trop fan de Kevin Owens et il a gagné déjà l'année dernière contre Edge Styles. Là, je, ouais, Jericho va donner euh, ce qu'il faut à, enfin, Kevin Owens. Il va lui offrir sa victoire pour euh... enfin, mmh. Kevin Owens. Tu repartes euh... Ah, euh, je, je t'ai pas euh... convaincu. Non. Euh, en fait, je, 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 je change d'avis tous les jours sur ce match. J'ai un peu du mal mmh. et euh, il n'est pas exclu que je vote euh, encore autre chose quand je devrais voter sur les cahiers du catch. Vraiment, je... <laughs> ouais, euh, en fait. Tout, enfin, ça me semble évident que Kevin Owens devrait gagner ce match, mais euh, je sais pas pourquoi, enfin, ça me semble évident, non, pas, pas tant que ça en fait, parce que l'histoire telle qu'elle est racontée... C'est euh, c'est la vengeance de, 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 de Chris Jericho. Il s'est fait il s'est fait martyriser. Il a il a il a offert son amitié. Mmh, il a il a tout vrai. donné à Kevin Owens. Il lui, il lui a offert son amitié. Il s'est fait trahir d'une façon absolument incroyable dans, dans ce qui restera peut-être un des segments les plus mémorables hein, de, de l'histoire récente de la WWE en termes de, de trahison euh, de de tag team euh, et, et puis là il est, il est dans une telle du coup quête de, de vengeance et Kevin Owens c'est un tel salaud que L'histoire est écrite pour que euh, Chris Jericho euh, ait, euh, ait sa vengeance à WrestleMania sur le plus grand ouais. style. Et, euh, et puis, au, au, au rayon des victoires, Chris Jericho, qui est un part-timer, euh, enfin, part-timer plus temps que ça, hein, parce qu'il est resté longtemps quand même, euh, mais euh, qui donne des victoires euh, à WrestleMania. Il faut se rappeler qu'il a battu Edge Styles l'année dernière dans, dans, dans un match où tout le monde s'accordait à dire qu'il était ultra facile à pronostiquer. Donc j'ai quelques doutes euh, et moi je verrais bien en fait une victoire de Chris Jericho. Je vais jouer la grosse cote okay. euh, parce que je verrais bien euh, un Kevin Owens du coup foudrage qui irait euh, le détruire vraiment, ce qui entraînerait du coup le départ annoncé de Chris Jericho euh, et une ceinture vacante pourquoi pas. Euh, mm. Mais je verrais bien, je verrais bien peut-être un feel good moment avec un Chris Jericho qui triomphe. Ah, okay. C'est euh... sur, ce, sur ces paris-là que tu prends large en général. Très bon. <laughs> Euh, C'est vraiment toi qui va tirer l'équipe vers la victoire. Donc, écoute, je, voilà, je, pour, pour moi, l'histoire a plus de sens comme ça, mais à voir, à voir, à voir. Euh, les matchs pas évident à pronostiquer, je pense. Ouais. Euh, donc, nous avons deux euh, Kevin Owens et un Chris Jericho. Euh, on continue et on a le Fatal fourway Way Elimination match pour la ceinture féminine de Raw. Une stipulation également de dernière minute qui, me concernant, sauve énormément l'intérêt du match pour moi. Euh, ah bah oui. et euh, et euh, et d'ailleurs, sur ce match, eh bien, euh, je vais pronostiquer, match très compliqué, je pense aussi à pronostiquer beaucoup de scénarios possibles. Je vais miser sur, euh, je vais voter avec le cœur et euh, je vais dire que euh, ma, ma tendre et chère Bailey va, va l'emporter euh, devant une foule en délire et faire des câlins dans, dans le public après. Et, euh, et donc, je pense que Bailey va l'emporter. Ah, je dire ma chère et tendre Naya Jax, ou, hein. pourquoi <laughs> pas, hein. Euh, pas. Euh, ouais ouais, tu as raison. C'est pas facile à pronostiquer du tout. Moi, j'ai l'impression que mon choix, ça va être plif plouf, euh, bada boom. Euh, écoute, euh, euh, effectivement, je vais être rejoint de Bailey, euh, Bailey qui conserve euh, un peu de stabilité, euh, même si. Ouais, un... ça ferait du bien. Ouais, mais bon. <laughs> pas facile, pas facile chez les filles. Ouais, euh, ouais, ouais. Alors... Euh, ouais, Ok, donc deux, deux Bailey Sans et euh, et notre notre ami Ringside lui a pronostiqué justement l'autre cote intéressante qui est euh, qui est Sacha Banks euh, par traîtrise hein. euh, C'est vrai qu'on le on le voit venir depuis un moment. Hein, ce, cette histoire et, et Charlotte qui joue les oiseaux de mauvais augure depuis quelques semaines. Euh, un grand final, euh, un grand final en un contre un. Euh, Sacha Banks contre Bailey avec une, un coup fourré euh, pourrait être un scénario tout à fait plausible pour ce mania. Euh, donc, euh, donc Sacha Banks pour ringside, pourquoi pas ouais, Je pense que c'est aussi pas mal. Ça, hein. c est, c est, je pense que ça peut être un pronostic intéressant aussi. Ouais. Mm. Euh, on continue et on arrive à l'affiche polémique, enfin euh, une des affiches polémiques de ce mania, Shane McMahon contre Edge Styles, dans, euh, dans ce qui est, personnellement, je vais prendre les devants pour moi, euh, le match le plus facile de la soirée à pronostiquer, euh, ce sera Edge Styles, Edge Styles et Edge Styles. D'accord, écoute, euh, j'étais comme toi jusqu'à ce qu'on en parle de... au supplément SmackDown. <laughs> et il euh... te, te laisse pas convaincre par ce que j'ai pu dire. <laughs> non, mais c'est moi qui l'ai dit en plus. Euh, ce côté euh, chez hey, McMahon hey. Qui, euh, qui fait tout pour perdre là en fait. C'est quand même oui. bizarre. Non, moi, moi je suis d'accord avec ça. Je pense que ce sera l'histoire du match. Ils vont jouer là-dessus mais qu'à la fin, Edge Styles restera trop fort. Mais, mais je suis d'accord que le, le storytelling du match sera axé là-dessus, sur l'excès de confiance. Écoute, ça va être un bon test de sa pour savoir si j'ai raison ou non de t'écouter. Oui. Donc, je vais rester avec Edge Styles pour le bien oh. de l'équipe. Mais je te préviens, Giscard, <laughs> si Shane McMahon le remporte et qu'on a un gage à cause de ça, parce qu'on perd d'un point... Si ça se joue à un point ouais. Si ça se joue à un point, on dirait que c'est à cause de ce point-là. Et euh, tu auras deux gages. Oui. Un gage okay. de le gage de l'équipe et un gage que je te donnerai personnellement. Merde. Ok, voilà. bon. <rire> <rire> je... Bon, alors. Oui, a Ringside, On a intérêt, on a intérêt à s'appliquer. Et Ringside. Ringside, il a pronostiqué. Et euh, Styles également. Euh, en précisant que Shane O'Mac ne devait pas gagner ce match. Oui, mais alors, ça, oui, ça c'est la <laughs> mais bon, ça raison raison pour pronostiquer. Oui, ça, c'est pas ouais. comme ça qu'on pronostique Ringside. <laughs> Pour euh, ça que font, tu n'es bah, que second à l'histoire. Ouais. Ouais, voilà, Pour ça. ça que tu n'es que second. Exactement. Euh, on continue. Euh, on enchaîne avec ce qui va être du coup euh, un match non sanctionné, un unsanctioned match, ah, entre Seth Rollins et Triple H. Un match où euh, tout, tout semble indiquer que ce serait un ODQ, même si c'est pas vraiment précisé. C'est vrai qu'il y a eu un débat très philosophique au Catch Pro où, euh, où Hank nous disait que non, c'est avant tout pour des, 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 des logiques d'assurance médicale. S'il y avait des blessures, on pourrait pas l'attaquer en justice, machin. Bon, Hank, tu vas chercher trop loin <laughs> Non, c'est vrai que c'est oui, voilà, une façon de dire... Euh, bon, Seth Rollins est en kit en ce moment, hein, il a le genou en carton. Euh, donc euh, voilà, Triple H euh, se dédouane complètement euh, par cette stipulation. Euh, Est-ce que ce sera no DQ ou pas Il y a de fortes chances que ce soit no DQ. Toujours est-il que euh, ton pronostic, Irem, sur ce match. Euh... Bah je parlais. J'avais dit hein, qu'il deux têtes, deux rois à avoir la tête qui allait tomber euh, ce soir, enfin euh, dimanche soir, et là, bah, la seconde <coughs> tête, c'est bah, celle de Triple H, hein, parce qu'on peut pas repartir dans une histoire de cette Rollins euh, qui se fait détruire et qui doit revenir. C'est pas possible. C'est pas possible. Okay. Et pourtant, c'est 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 peu probable, mais c'est tout à fait possible. Tu vois et oui, et je, et je suis assez d'accord. Euh, <coughs> J'avais un petit doute sur ce match parce que <coughs> on est dans une histoire où Seth Rollins a tellement tellement fait des pieds et des mains pour avoir ce match contre toutes les indications possibles, qu'on pourrait finalement voir une prestation héroïque, mais au final. Euh, il est juste, euh, il est juste pas en condition. Enfin, il a son, son genou est juste pas, c'est pas possible. Et, et Triple H pourrait du coup jouer là-dessus pour avoir une victoire, euh, une, une victoire un peu de prestige euh, pour euh, asseoir sa, sa mm. position. de Personnellement, je pense que ce serait pas très intelligent. Euh, et je, je vais rester sur le booking euh, qui, qui, qui devrait s'imposer, qui est ouais. une, victoire, une victoire Daniel Bryanesque. Hein, c'est ça ce que j'allais dire, ce qu'il a fait avec Daniel Bryan, quoi, finalement. Voilà, Il exactement. a perdu toutes contre les, Bryan, alors que Daniel Bryan. Daniel Bryan était… Euh... Euh, toutes les chances sont, ouais. euh, sont du côté de Triple H. C'est tellement gros que je pense que voilà, ah, c'est son boy, hein, Seth Rollins. Voilà, voilà, Donc Seth Rollins va l'emporter. Et, euh, et la le alors. C'est -ce également la vie de Ringside, bon puisque. Pas. Ringside dit Seth Rollins et si Seth Rollins perd, je mange mon chapeau. Euh, donc euh, vous l'avez entendu ici, ça, ça pourrait être le gage de Ringside. Hein, si on perd, il mangera son chapeau. Euh, donc voilà. <laughs> on continue en espérant que ce soit pas un trop gros chapeau. Tu vois, une petite casquette de John Cena par exemple, ça, ça, ça va. Bon, là, si, on a un, un, si on a deux mmh. mois pour le manger, deux ou trois mois pour le manger. Oui, oui. Avec, un avec un peu de ketchup. Une petite sauce, ouais, hein. une béarnaise, ouais. pour... c'est pas mal aussi. Ouais. <laughs> Euh, on continue euh, on continue et on arrive, on arrive c'est euh, pas fini c'est pas fini dans euh, bah, un des de ce qui s'apparente à un des trois main events puisque c'est l'Undertaker contre Roman Reigns le mm -hmm. Roman Empire <laughs> euh, l'Undertaker contre Roman Reigns euh, dans un match euh, qui, qui fera probablement couler beaucoup d'encre et qui en a déjà fait beaucoup couler euh, et un pronostic de ringside qui met les les deux pieds dans la mare d'entrée de jeu puisqu'il dit Roman Reigns, puisqu'il est temps de passer le flambeau pour l'Undertaker. Donc un pronostic euh, qui, euh, qui se défend complètement et qui reste euh, osé quand on connaît, euh, mine de rien, l'Undertaker c'est quand même euh, 22 et 1 à Mania ou 21 et 1 22 et 1 non Je crois que c'est 22 et 1. Mmh, euh... 22 ou 21 oui, c'est au moins 22, ça c'est sûr. Oui, c'est 22, 22 et 1. Euh, donc c'est quand, euh, quand même, ça reste un monument. Même, je sais qu'il y a un débat, hein, même s'il n'a plus sa streak, battre l'Undertaker à Mania, c'est quand même loin d'être anodin. Euh, donc qu'en penses-tu, qu penses Yann euh... ah, C'est compliqué. Alors, je pense que je vais voter comme ringside. Euh... Je... Après, c'est une histoire de faut passer le flambeau. Je sais pas vraiment pourquoi en fait je vais voter pour Roman Reigns parce que même le, cette histoire de heel turn euh, me convainc pas je veux dire il n'y a pas forcément besoin de battre Undertaker pour qu'il fasse son Par contre heel -turn. Euh, ce serait un sacré euh, sacré paratonnerre à, à huer, quand même là. Mais ouais carrément exactement, c'est ça. Donc euh, je voilà euh, pour toutes ces non raisons, je vote pour <laughs> Roman Reigns. Eh ben écoute, euh, moi j'ai beaucoup réfléchi sur ce match. Ah, et ouais. euh, je, vais, euh, je vais aussi, euh, bah, malgré la stratégie du concours qui peut-être m'imposerait à voter le Taker, je vais voter euh, Roman Reigns aussi. Euh, parce que c'est dans la lignée en fait, de ce qu'on nous raconte depuis des mois. Euh, Roman Reigns est, est trop fort. Il, il, est, il est trop fort. Ouais. Et il, est, il, est, il est inarrêtable. Et il a battu. Il a battu Braun Strowman, il, a, il, a, il écrase tout sur son passage, il, il est, est trop ça. fort. Euh, D'un point de vue keyfab, je pense que euh, ce serait presque logique euh, sur un, un taker, euh, finalement, qui perd de son emprise physique hein, depuis un <laughs> petit peu un, un bon moment, et même qui d'ailleurs semble ne même pas avoir d'emprise psychologique sur, euh, sur euh, Roman Reigns non plus. Euh, je, je vois bien la victoire de Roman Reigns dans un style vraiment... Euh, de démolition qui entamerait qui qui entamerait peut-être un hill turn voilà ouais, je, je me sens une belle bien. séquence de beatdown post match là ça pourrait ça pourrait être quelque chose il a été tellement irrespectueux pendant ce pendant ce, ce build up quelque chose qu'on n'avait pas vu euh, parce que l'Undertaker a, a déjà affronté des Faces par le passé, mais peut-être à part Shawn Michaels, et encore Shawn Michaels, ça fait partie de son personnage de sale gosse, tu vois. C'est euh, le break Kid, c'est Mr. WrestleMania. CM Punk faire... est allé pas mal loin avec le coup de lure aussi. Il était, mais... il, était, il était complètement ill CM Punk à l'époque. Oui, il était ah d'accord, complètement... okay, je, je t'ai pas bien suivi alors. Oui, non, non, moi je parlais d'un mec censé être Face ah, okay. qui, qui, qui a ce discours-là si euh... n'était pas face, oh mon dieu. Non, non, non. Enfin <laughs> bref, Roman Reigns, Roman Reigns et Roman Reigns pour l'équipe de SmackDown euh, dans un match euh, bah, qui sera euh, mine de rien intéressant, je pense à suivre, peut-être pas pour sa qualité technique, mais bon. On arrive, on arrive à la ceinture de champion du monde de SmackDown, de champion du monde tout court d'ailleurs, pas de SmackDown, c'est la chance c'est le championnat du monde. Yes. Euh, Bray Wyatt, Bray Wyatt contre Randy Orton dans la feude mystique de l'année. Euh, dans la feuille de mystique de l'année, et du coup, euh, Ringside nous annonce une victoire de Randy Orton, une victoire que lui il met au crédit d'une bah, récompense pour son job sanglant face à Brock Lesnar à SummerSlam. Euh, de plus, Bray Wyatt est un loser. <rire> <rire> Alors bon, on aurait, tu aurais pu ne pas retranscrire cette dernière remarque totalement honteuse et indigne de Ringside, voilà que je ne cautionne pas évidemment. Je suis, il faut s'indigner tous les jours à ce qui paraît maintenant. Oui. Donc là, bah, je m'indigne et je condamne fermement ces propos. Voilà, encore un année. Encore voilà. un énième dérapage de ringside euh, voilà, Qu'on qu ne peut tolérer Ici euh, au supplément euh, Du coup bah, Je vais pronostiquer la même chose Que, 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 que la mi ringside Mais pour des, des raisons d'histoire Un peu pour les mêmes raisons que tu as pronostiqué, Pour lesquelles tu as pronostiqué euh, Enfin tu as pronostiqué Pour euh, euh, la mi Jericho ouais, je, je. euh, Là pour moi ça s'applique euh, euh, ouais. Encore plus on va dire euh, Voilà Ça, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur parce que bah, j'aurais aimé voir un, un, ring, euh, un règne de, de, de comment dire de l'ami euh, Bray Wyatt, mais malheureusement euh, tout ça est au service d'une histoire et pas d'une ceinture du coup. Euh... Exactement, euh, c'est ça. Je suis complètement d'accord. C'est ce, le genre de pronostic où je vote plus avec la tête qu'avec mon cœur. En effet, euh, ça fait ça fait sept mois qu'ils nous racontent cette histoire. Euh, tout tout, tout tout est aligné maintenant, ça y est, ils ont leur match 1 contre 1 Mania, C'est la victoire de Randy Orton qui, qui va mettre à, à bas son, son plan qu'il a en tête depuis maintenant presque une demi-année. Euh, donc ce n'est que la logique finalement qu'il arrive à triompher à WrestleMania après tant de, tant de galères et tant de, bah de, de, de chemins de traverse empruntés. Euh, donc c'est une victoire de Randy Orton pour moi aussi. Euh, donc ça fait trois Randy Orton. Euh, pour SmackDown. Et le dernier match, le match polémique, hein, parce que j'avais dit euh, AJ Styles chez SmackDown, mais bon, c'est ce, le match polémique, c'est celui-là. C'est bien sûr le match pour le titre de l'univers euh, entre Goldberg, le champion, et Brock Lesnar, la bête, euh, le conquérant. Le yeah. euh, voilà, Goldberg, Brock Lesnar. Bah, euh, on, on va. Peut-être, peut-être passer plus de temps à pronostiquer le match que le match en lui-même, c'est possible. <laughs> euh, qui sait euh... Déjà une petite remarque d'ailleurs, euh, tout le monde a peur d'avoir euh, un match qui va durer une minute, mais euh, rassurez-vous, vous serez très content que le match oui. dure une minute après vous être enfilé huit heures de catch. Euh, tout le monde n'aura qu'une envie, c'est de rentrer voilà. et au moins, euh, ils... grâce à eux, euh, voilà, on aura un dernier match court. Enfin court. C'est ça. Un peu plus longue, je pense, que leur dernier, mais... Oh, on ne sait pas. On ne sait pas, euh... <laughs> oui, j'en sais rien. On peut aïe, pronostiquer aïe. aussi la, la durée du match, effectivement. Euh, du coup, oui, alors moi, là, ça, ça, c'est assez compliqué. C'est vraiment un des matchs les plus compliqués, parce que moi, je pense à l'après, toi, évidemment. Et, euh, Brock Lesnar avec la ceinture, Goldberg avec la ceinture. Il euh, n'y aurait pas la ceinture. Euh, je ne sais pas si ce serait plus simple, en fait. Si moi, Je trouve que ce serait plus simple. Euh, écoute, je vais aller quand même vers euh, Brock Lesnar euh, parce que euh, c'est une garantie pour le futur plus forte. Euh, un futur, enfin, voilà. Euh, Peut-être à court ou moyen terme, mais euh, voilà. Et on aura, il aura enfin eu sa victoire euh, contre Goldberg. Goldberg a quand même eu un beau run. il a, eu, il a déjà gagné en fait, Goldberg. Il a oui, gagné oui, oui. en fait en battant Brock Lesnar euh, Que personne n'arrivait à battre suis il, est, il est rentré dans son <coughs> cerveau euh, Il a eu euh, Tous les what the fuck moments Les plus oufs que tu pouvais avoir je pense euh, L'année dernière euh, Et puis au, au Rumble euh, voilà, il a déjà tout eu en fait. Il a tout gagné. En plus, il est visiblement, il est pas très content de lui, euh, de, de ses prestations. Ah bon il est okay. très fatigué. Il a eu du mal bah, à être au top hein, quand il est rentré. En fait, il s'est blessé juste avant de, de, de ait il a été appelé et, euh, et il galère en fait euh, le, le cardio. Il fallait qu'il choisisse. si Tu veux, il s'est blessé. Au euh, ce moment, où ils l'ont trois semaines après, ils l'ont appelé pour dire au fait, ça te dirait de revenir. Et donc le mec, bah, il a fallu qu'il se rentraîne. Et il fallait, c'était soit le cardio, soit la masse musculaire parce qu'il avait vachement fondu, toi. Mmh. et du coup il s'est dit je peux pas revenir et, et visuellement pas avoir la chèvre tu vois c'est important à WWE d'être d'avoir l'image que les gens avaient de lui avant et du ouais, coup voilà, et, du, et du coup le cardio ça a pas du tout été travaillé et c'est bah, voilà ça, 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 ça se voit évidemment de toute façon ça a jamais été son point fort en tout cas enfin voilà il niveau catch, euh, il fait ses deux moves et c'est ce que les gens veulent et, et c'est ce qui donne. Donc euh, voilà, j'arrête de digresser je, ouais, je vote Brock, <laughs> je vote Lesnar, je vote Utile. Il vote Utile. <laughs> eh bien, euh, <coughs> moi aussi, <coughs> je vais voter Lesnar pour pour un peu les mêmes raisons que toi. Je pense que comme toi, la, la, la bonne analyse aussi à voir, c'est que Goldberg a, il a fait son boulot. Ouais. Il a fait il a fait un non en déplaise euh, il a fait un, un très beau retour enfin euh, qui a été accueilli oui. euh, par le public de manière absolument exceptionnelle euh, il a créé une surprise monumentale au Survivor Series euh, il a eu plein de beaux moments il a eu des belles promos euh, donc je pense qu'il a fait son job euh, il a il a contribué à hyper ce WrestleMania avec sa présence euh, euh, donc il a fait son boulot euh, et en même temps euh, à côté de ça Brock Lesnar euh, va finir, va, voilà, il s'est fait, il s'est fait avoir par surprise deux, trois fois. Je pense aussi que l'histoire va tourner un petit peu autour de ça, que euh, Brock Lesnar, bon, voilà, on peut peut-être lui faire deux fois, euh, mais on va peut-être pas lui faire une troisième fois, euh, et que il va. Tu peux il... pire, trois fois mille personnes, mais tu peux pas, plus mille fois trois, 3... non. <rire> <rire> Trois personnes, <ouais. rire> si c'est bon. <laughs> euh, donc donc voilà, ouais, je pense que ça va être une victoire de Lesnar. Après, euh, l'interrogation, ça va être comment est-ce qu'ils vont se s'extirper de ce de ce bourbier niveau booking. Est-ce qu'ils vont jouer sur euh, le miroir en une minute Est-ce qu'ils vont faire un match un peu plus long Est-ce euh, est-ce est enfin, je sais pas. Il y a plein de, ça va pas être évident, je pense, à écrire ce match. Euh, je suis curieux de voir euh, ce qu'ils vont faire. Donc, euh... en fait, rien que pour ça, je suis curieux euh, de ce match qui évidemment ne et va puis, pas être. Et puis ça va être une belle image à la fin. Euh, je pense que voilà. on va voir un, un, un Goldberg euh, avec les yeux un peu tristes euh, face au public. Et les gens vont comprendre que ça y est, il s'en va et le lendemain un Raw, il fera un petit discours. Euh... Ouais, ça. limite il dira je, je je fais pas mon je laisse tomber mon rematch et. Ouais, peut-être, c'est possible. Il dit voilà, j'ai eu parce que sa promo quand il était revenu, c'était est-ce que j'ai encore un title run en moi Bon a bah eu. voilà, il l'a eu son title run. Donc il, je pense qu'en effet, c'est pas Il a tout fait. Il a fait ce qu'il. Oui, il, il a fait tout ce qu'il avait dit. En, pour moi, c'est terminé. Euh, et puis, bah, Ringside est de notre avis. Ringside est de notre avis puisqu'il vote. Lesnar, lui, par contre, il justifie. Euh, je, peux, je peux pas me permettre de la lire à l'antenne sa justification. Donc euh, contentez-vous de contentez-vous de vous dire que. Euh, les Stars va gagner, c'est tout. D'accord, ok. <laughs> voilà. Sinon, voilà, d'envoyer de un mail. Euh, je vais mettre, je vais nous je sur dos certaines personnes sur ouais, Contactez-nous sur Twitter si vous voulez avoir. L'explication de Ringside, l'explication censurée <laughs> en direct par, par Giscal. Ah oui, je, suis un peu, euh, je suis un peu choqué, Giscal, que tu censures euh, les propos d'un membre de l'équipe, mais soit hein, <laughs> bah, tu écoute, assumes. Tu iras lire sa justification. C'est horrible. Il, a, il y a des photos avec ou quoi euh, <laughs> oh, non. Attends, je vais, je, vais te la, je vais te la copier pour qu'on puisse avoir ta réaction en live. Genre, il, a, il, a, <laughs> il a écrit ça. <laughs> <laughs> attends. Attends, ouais, attends, attends, attends. C'est dans, dans la conversation <laughs> bah écoute c'est un peu compliqué parce que si je l'affiche ça va apparaître sur l'écran en fait Ah oui <laughs> non, bah non, ah oui bon, bon bah tant pis tu la verras après alors <laughs> Oui oui je la verras, on, a le temps, on a le temps pour ça euh, euh, tout, est, euh, tout est bouclé, euh, donc du coup euh, Let's go je vous fais pas down. un petit récap de nos, de nos pronos hein, Puisque vous, bah, bah, vous les avez écoutés, vous les avez notés sur un petit papier pour être sûr qu'on triche pas vous êtes des auditeurs avertis. Euh, n'hésitez pas en commentaire de cette petite vidéo hors série à mettre vos pronostics. Ouais. Pourquoi pas euh, à nous proposer des idées de gages, puisque nous allons gagner. Donc mmh. proposer des idées de gages pour la Team Raw, pourquoi mmh. pas. Allez-y, n'hésitez pas, sachant que qu'on euh, a déjà une petite idée. Parce que j'en je, profite pour corriger quand même une erreur honteuse hein, qu'il y a eu dans le Catch Up Pro de cette semaine. Je suis sûr que les, les auditeurs les plus avertis l'auront relevé. Bon, en mais tout cas, bien les auditeurs évidemment... qui suivent le supplément SmackDown, qui évidemment... Et... Euh... Ah. Bon, mais pour la, la, la promo de Enzo et Enzo Amore et Big Cass à, à Arrow quand ils, quand ils accentuent le mot practice plusieurs fois dans leur promotion en plein milieu practice. du ring à Philadelphie hein, talk about practice comme ça, c est, c est, ce n'est bien évidemment pas une référence à la série The Practice qui est une série sur des avocats à Boston en plus je crois comme l'a dit l'amiral <laughs> mais à la ce qui s'apparente presque à une promo, mais à l'interview presque légendaire d'Allen Iverson, qui est un joueur, un des joueurs les plus connus, euh, le plus que, un des joueurs les plus connus à Fidel FI et euh, des années 90 en NBA. Euh, donc, la réponse, euh, comme on l'appelle. Voilà, the answer, <laughs> la réponse. Euh, donc, euh, écoute, ça pourrait être une idée. Je, je pense que je les obligerai peut-être à regarder euh, la saison de The Practice pour les pour leur apprendre. Euh, je sais pas. Euh, On va regarder bon. le documentaire sur Allen Iverson. C'est un très bon. Ça... C'est pas un vrai gage. C'est cool. Ça, ouais. gage, cool. Okay. Je vais le regarder plusieurs bon. fois alors. <laughs> Allez, euh, merci à toutes et à tous d'avoir de, bah, de, suivi nos pronos, euh, de nous suivre bah, comme toujours, vidéo après vidéo. Vous pouvez nous retrouver euh, bah, sur les cahiers du catch, sur Podcloud, sur iTunes, sur YouTube, euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, euh, sur la page des cahiers du catch, sur Twitter, arrobas euh, cdc euh, Et euh, bah, commenter, pouce bleu. Euh, et puis, bah, super week-end de catch à vous tous. Bon WrestleMania. C'est la folie. Profitez-en. C'est une fois par an. Soyez des fans, kiffez, euh, vous prenez pas la tête et. Vous euh... fans. <laughs> C'est ça, exactement. Et euh, et puis bah à très bientôt. Allez, salut tout le monde. Ciao. Euh dis moi, est-ce que tu serais chaud pour présenter Euh oui si tu veux oui